Merci, Madame le Président. Ce rapport est une longue suite de conditions que vous érigez en alpha et oméga de l'action de l'Union européenne dans ses relations extérieures. Même si l'UE ne devrait pas pouvoir mener sa propre politique étrangère, elle peut encore moins conditionner son aide ou ses actions aux délires idéologiques qui sont les vôtres en Commission du droit des femmes. Vous voulez appliquer dans les pays partenaires de l'Union les mêmes règles qui détruisent petit à petit notre civilisation. Quotas, opposition systématique entre l'homme et la femme, autonomisation des femmes à des fins strictement économiques et j'en passe. Mais plus grave, vous demandez à ces peuples de changer de culture et appeler à leur rééducation, trop versée, je vous cite, dans des structures patriarcales, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, la normativité de genre et encore, et c'est là le meilleur, l'hétéronormativité. Mon groupe soutiendra votre position minoritaire, Madame Schwitza, et votera même contre ce rapport. Vous auriez pu, de manière pratique, aider les femmes de ces pays, mais le virage idéologique que le texte a subi lors de sa rédaction le rend inopérant et dangereux.